Virginie, temps calme partout en ce début de semaine. Exactement, avec le soleil qui revient d'ailleurs dans le sud-ouest cet après-midi. Cette image en direct de Bordeaux avec de belles éclaircies où il fait actuellement 20 degrés au thermomètre. C'est vrai que sur les régions centrales, vous étiez sous la grisaille ce lundi avec cette perturbation qui est arrivée par le nord. Déjà ce week-end qu'on voit très bien ici sur l'animation satellite et qui va continuer d'onduler pour cette journée de mardi. Elle est vraiment coincée entre deux anticyclones, raison pour laquelle vous allez retrouver également une belle luminosité sur les Hauts-de-France et les Ardennes. Dans le sud-ouest, mais aussi dans le sud-est en cours de matinée, les nuages seront nombreux avec quelques belles éclaircies. Et puis donc sous la perturbation, ces précipitations un peu plus soutenues entre la Bretagne, la Normandie, la Franche-Comté et les Alpes du Nord. Pas beaucoup d'évolution en cours d'après-midi, si ce n'est que ça va devenir de plus en plus lumineux dans le sud-ouest avec l'anticyclone sur l'Espagne qui regonfle sur la moitié sud du pays. De belles éclaircies également sur les Hauts-de-France, sur les Ardennes et puis toujours cette même perturbation qui ne bouge pas et qui fait du surplace. C'est aussi la fraîcheur qui va faire l'actualité météo cette semaine avec le retour d'un vent de nord-est, la bise de secteur nord-est avec un ressenti assez frais. On attend même de possibles gelées dans les campagnes du nord-est. Dans les grandes villes, il ne fera pas bien chaud également avec 6 degrés à Nancy ou encore à Strasbourg. On attend 8 à Paris ou encore du côté de Rennes. Et puis en cours d'après-midi, les températures sont stationnaires par rapport à ce lundi. On est toujours 4-5 degrés en dessous des valeurs de saison sur toute la moitié nord. 10 à Strasbourg, 13 à Paris. C'est très contrasté avec le sud, vous voyez sous le soleil, il fera même très doux, 24 pour Toulouse. Pour la suite, eh bien mercredi, ce sera la plus belle journée de la semaine, profitez-en avec du soleil quasiment partout. On a toujours les résidus de la perturbation qui donnera de nombreux nuages sur les régions centrales, ce sera même pluvieux à nouveau sur la Franche-Comté et voyez déjà cette nouvelle perturbation qui arrive par la Bretagne qui va traverser le pays pour la journée de jeudi. Ce sera gris et pluvieux quasiment partout. Alors à l'ouest près de l'Atlantique, quelques éclaircies, ce sera assez lumineux également dans le nord. Les températures resteront fraîches mercredi et jeudi dans le nord-est avec à nouveau quelques gelées possibles. Et puis vous voyez pour la journée de vendredi, voire même de samedi, la perturbation qui traverse le pays apportera beaucoup de grisailles. Avec le retour d'un flux océanique, les températures seront en hausse, notamment en cours d'après-midi et ce quasiment partout.